Wesh l'équipe BOBA, c'est la base les gars, je suis avec Yohan. Salut les mecs. Retour de Turquie, Yohan. Alors la Turquie, t'en penses quoi? Istanbul. C'était cool, mais c'était cool. Roucourt. Oh, tu bégayes, tu commences. Il commence à parler turc. Il commence à parler turc. C'est, oh. Exactement. C'était cool mais court. Franchement, on est arrivé le samedi à 23h à l'hôtel. Donc en fait, le samedi, on n'a pas de samedi. Dimanche, lundi, on est revenu le mardi à 8h du matin. Donc voilà. Ouais, on a eu deux jours. À cause d'un pote à moi qui s'appelle Yanis, que même je suis parti à Las Vegas avec lui, qu'il avait pas le temps, il devait travailler. Et... Donc on a eu un jour pour visiter. Mais on n'a pas trop visité. Je vais pas vous Mentir. Écoutez, bon, je vais à Istanbul, les gars, avec Yanis. On est déjà allé en fait il y a 5 ans. Et là avec Yohan, bah j'ai appelé Yo parce que Yo il est jamais venu à Istanbul, en plus il... Bref, j'avais peur de venir à Istanbul parce qu'il y a eu un attentat il y a 2 ans à l'aéroport où on a atterri. Ok, tu peux le dire, c'est bon. Voilà, je voulais pas te le dire, espèce de tapette. Mais là c'est plus une tapette parce qu'il est venu, il a confirmé. Et du coup j'ai un truc à vous dire, c'est que Yohan, bah en fait Yohan, moi et Yanis on a déposé, on dit bon bah il est samedi et tout, dimanche il y a presque rien à faire, tous les magasins étaient fermés. Et je dis à Yohan, oh, tu veux visiter? Il y a des mosquées, il y a des... Mais on a visité, on a vu. Après, on n'est pas rentré dedans. Je lui dis, est-ce que tu veux visiter? Yohan, il a dit, je m'en bats les couilles. Le Bosphore, il voulait qu'on fasse 1h30 de bateau alors qu'on était crevés, on avait marché tout le temps. Bah, moi j'étais chaud, frère. Oh, c'est bon, visiter, frère, j'ai vu. Dans un pays. J'ai vu, je sais, mais on n'avait pas le temps. Prendre des photos et tout, moi j'ai pris. On n'avait pas le temps parce que le lundi, vous savez ce qu'on a fait? On a fait les magasins, les mecs. Toute la journée, magasin. Et c'est le but de cette vidéo, je crois. Exactement, les gars. Bon, bah, dans cette vidéo, les gars, on va vous montrer nos achats tout simplement. Et bah dans les commentaires... Que du vrai, faut préciser. Exactement, que du vrai, parce qu'il n'y a pas de faux chez nous, on ne paie pas de faux, comme vous voyez, Off-White. Comme ça, vous voyez, Fendi. Oui, c'est Istanbul, nous on achète que du vrai à Istanbul en fait, on n'achète pas en France, mais on préfère acheter à Istanbul. Allez, c'est parti, premier article, je pense que c'est sur nous, le t-shirt de la base, tout simplement. Off-White les mecs. Et moi, premier article sur moi aussi, c'est le short. Le short Discoared de... Simplement. Moi j'ai pas de boule. Tu perds ton jean, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime bien le jean, ouais. Et ça c'est... Non, ça c'est... Ali E. AliExpress. Ouais, tu connais. Oh, ne dis plus ça, va Istanbul, c'est mieux, frère. Ok. Allez les gars, c'est parti. Allez, on enchaîne. Bon les gars, on a des kawas, hein. On a pas pris le sac LV de Turquie qu'on a acheté. Le vrai, bien sûr. Bon, moi j'ai un pull là. Off-White. Ouais. Ouais, tu vois, lui je l'aime pas. Moi je l'aime bien. Parce que, je sais pas, ça fait, tu sais, High School Musical, frère. Ils avaient tous cette écriture dans les films, quand même. C'est, ça fait les campus universitaires américains. C'est fait exprès, frère, je veux être un safe avec ça. Mais attends, Idriss. Là, il y a écrit quoi, là, Idriss? Il y a écrit quoi, là, Idriss? Dis-moi. Aucune idée. I just was thinking. Ça veut dire quoi? J'étais juste en train de penser. Bah voilà, c'est parfait, mon pull. Fais voir derrière. Man, mais ouais, en fait, c'est ça que je trouve. Pourquoi il y a écrit homme derrière? Parce que je suis un mec, frère. Mec, les mecs, moi, mon premier article, Discoared, t-shirt simple, efficace. Faut dire que la qualité. Oh, il est éclaté celui-là, t'étais parti du t-shirt le plus moche. Hein, franchement, je suis parti du t-shirt le plus moche et on finira par les plus beaux, vous en faites pas. Le deuxième est encore plus moche, sachez. Allez, moi, c'est un polo de chez Gucci, les gars. Voilà, il est. C'est... Alors, lui, pour il la petite histoire, c'est moi. Je l'ai vu en premier, mais Idriss allait le tester en premier, donc je me suis dit, je vais pas prendre pareil que lui, mais il pète sa mère. Franchement, Idriss, il est magnifique. Ouais, franchement, il est magnifique, avec le Gucci écrit ici, les mecs, sur le... Franchement, il est simple et efficace, mais du coup, je vous montre celui-là parce que j'ai craqué et j'ai pris aussi... Il a montré un polo, je vous montre le polo que j'ai pris, CD, Christian. Franchement, les mecs, il est moche. Mais t'es... Tu... Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Mais on dirait un polo d'un start-up, genre il vient de démarrer. Et regardez bien ça. Et ça c'est le blanc. Bah c'est le même, c'est le blanc. Et là il y a le jury qui vient d'arriver. Mais c'est quoi ce t-shirt? Attendez, c'est à moi de parler là. Oh. C'est mon très fracassant, vous taisez. Oh. Vous faites quoi là? Vous reprenez mon concept et toi tu reprends mon t-shirt. C'est la fête ici en fait là. Ah ouais. C'est la fiesta et en plus c'est moi le juge. Ah mais t'es allé à Istanbul, t'as pris le même t-shirt. Bah frère, moi ça me l'a envoyé direct, gros, j'ai pas besoin de me déplacer là. Ah ouais. Bah ouais. Bon, Faïs. Bon, ouais, Faïs, c'est le jury là. Il okay. Est arrivé, les gars. Et ça, c'est le blanc. Pète sa mère, il est beau le blanc. Le blanc. Il est beau le Gucci. Oh, moche, frère. Mais non, il voit ça comme ça. Je préfère le noir. Mais frère. Je veux le t-shirt. Tu as le même t-shirt que moi, normalement, je dois dire c'est beau. Je sais pas comment on dit cette marque. Moschino ou Moschino, Moschino. Allez, vas-y, c'est beau, je l'achète des t-shirts, tu sais même pas si. Ouais, il avait tout mon ami. T'aimes bien ou pas? Faïs, il est compliqué. Moi j'ai acheté plus de pulls que lui. J'ai acheté des t-shirts de marque, mais on dirait des t-shirts qui habillent. Mais sauf qu'il y a écrit Moschino. Il y a celui-là, les gars. Oh, mais gros, on est en été, pourquoi t'achètes des pulls? Mais c'est des pulls fins, frère. Ouais, non, mais tu mets pas ça en été. Bah ouais, je le garde. Off-White encore. Oh, mais il est craquant avec cette marque.
Et j'en ai acheté. Alors les amis, Idriss il a découvert Off-White il y a un mois, mais il a acheté toute la collection de ses sorties. Ça, ça se garde. C'est toi qui dis ça. Ça, ça se garde. J'ai rien acheté. Je vais le tester. Non, normalement ça se garde. Je sais pas. Ah bah, commentaire les gars, ça se garde ça, je crois, non? Eh oui. Voilà. Givenchy. Lui ça va, lui t'as vu j'aime bien là le petit. En fait le t-shirt est moche. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moche, t'as un t-shirt noir toi. Oui, aussi. T'as des logos dessus, t'as dit allemand. Mais genre je sais pas, dirais, il est pas pareil, t'as vu. Ouais, il est énervé. Mais ça j'aime bien, ouais. Ouais, il est beau, il est beau, il est beau. Ça j'aime bien. Ouais. Mais c'est pour de vrai qu'il a vraiment acheté toute la collection. Mais il a acheté la collection. Non, mais il pète sa mère. Il a acheté que la collection jaune. Il a dit je veux que le jaune. Mais j'étais avec tout ça. Les gars, j'étais avec lui là-bas, je me suis pas rendu compte. T'as acheté que du Off-White, gros. Mais non, gros, ça arrive. En fait, moi c'est par marque que je fais la présentation, gros. Off-White, après c'est Gucci. Non, c'était Gucci juste avant. Ça, c'est Fendi, le mec. Bah juste pourquoi il a acheté voilà, ce voilà, quoi regardez, Nino plaît. Il a écouté Nino Fendi. Ouais, non, mais ça c'est certain. Ça t'as pas pris toi d'ailleurs à te parler. Non, pas pris Fendi toi. Non, j'étais chaud, j'ai pas pris. Allez, alors vous trouvez comment le pull 10 ou pas? T'aimes bien? Oh Yohan, attendez Yohan, c'est Steve là. Viens, ramène le Fendi là. T'aimes bien? Écarte-toi. Oh, c'est moi, écoute ton pull. Vas-y, j'ai ton pull, comment ça va de mon t-shirt? T'es sûr? Oh, j'ai plein d'enlever, frère. Oh, c'est pas un Fendi les frères, c'est un fendu. Un fondu à la limite, mais là, ça me taille. Vas-y, sors! Oh putain, le jury qui te fait ta. Oh, on continue avec ma pièce maîtresse! Le short Gucci. Ah, franchement, lui, bah, c'est rien. Et lui, vous trouvez comment? Il aime bien Face Cool. T-shirt Valentino! Franchement, j'ai trouvé cool, je l'ai pris. Oh, vous rappelez pas, les gars? Il y a quelqu'un, il a les mêmes groupements, on dirait ici, hein? Mais il a le même t-shirt que moi, il achète des trucs militaires comme dans la vidéo. Mais on a. Oh, les gars, mais attends, dans la vidéo où on a fait nos soldes, moi, après, il y a le même goût, non? Après, il y a les Givenchy qui arrivent. Ah, mais. Oh là là! Et mec, un jean? Décidément! Un jean, voilà. On dit encore Off-White. Faïse? Non. Non, mais non. Oh, mais t'aurais pas dû te ramener. Lui, il pète sa mère. Ouais, il est pas mal, j'en avais un quand même. Les gars, voilà, c'est FIFA. Off-White X-Nike? Non, Nike logo. Il est bien le jean. Les gars, celui-là. Il y a des Off-White aussi. Je le mets pour voir, moi j'aime pas. C'est bien aimé. Ça, à le voir comme ça, j'aime pas. Ok, pas de soucis. Je le mets. Les gars, nouvelle pièce, un t-shirt. Tu l'aimes bien, Idriss, celui-ci? Ouais, lui il est beau, lui je l'aime bien. Ouais. Ah, t'as vu, c'est quand t'as un problème, hop là, bandeau de sécurité, personne passe, mon frère. Exactement, et là, t-shirt, les gars, Moncler. C'est écrit Moncler sur ce côté, je crois. Là. Moi je prends que des trucs simples, les gars. Non, tu prends pas que des trucs simples, frère. Tu crois que c'est simple, t-shirt au fouet et tes pulls avec des trucs, des barres comme ça? Ouais, frère, abuse. Après, voilà, c'est Yohan qui me l'a conseillé, je l'ai acheté. Ah ouais, lui il pète ça, moi j'aime trop lui. C'est quelle marque ça? Moss Clock. Je connais pas, les gars, Muse Clock Knuckles. C'est les canettes, j'allais dire. C'est les doudounes à 1000 balles là. Ça veut dire, si Yohan et Faïs ils aiment bien, ça veut dire qu'il est trop moche pour moi, mais bon, je l'ai mis quand même. Et voilà, l'ensemble qui pète sa mère, c'est le seul ensemble que j'ai trouvé, c'est short. Et t-shirt. Ah ouais. Ah ouais. C'est le seul ensemble que t'as trouvé, hein. Il a le même. Quand je vous dis qu'il me copie, il me copie tout le temps, j'en peux plus moi maintenant. Vas-y, je vais le tester, je suis là, je vais donner aux enfants pauvres. Oh, mais j'avais oublié ce pélo, mais pourquoi tu me l'as pas dit, frère? Mais ouais, il avait le même. Mais c'est vrai, là. Mais maintenant, il va me dire, je suis affolé, je vais le même truc que lui, il va me dire suceur et tout, mais alors que c'est pas. Allez, mec, on passe à un t-shirt Gucci. Il est joli, lui. Et en fait, vous voyez pas parce que c'est une vidéo, mais là, les motifs ils sont trop bien faits, c'est bien fait. Oh, à ce que je vois, c'était serré? Entre moi et Yohan, qui a acheté les meilleurs amis. Bon bah voilà, c'est plus serré maintenant. Mais qu'est-ce que tu racontes, GS? Timboum, timboum. Du bonbon. Et ouais, le nouveau magasin, il est sorti avant-hier. Combien tu as payé? Bah 40 ou 30, non 30. 30 euros et le vrai officiel. 50 euros ça fait l'ensemble. Ça c'est le vrai, les mecs, ça. Les vrais, 50 euros les gars, allez en Turquie si vous voulez le maillot et le short de Galatasaray. Les mecs. Même le survêt, il coûte vraiment pas cher, les gars, je vous conseille. On a les champions du monde. Non, je rigole. Et voilà, le maillot de la Turquie aussi, il était à 20 euros. Le vrai, frère. Regarde, chez Nike. Je te jure, c'est vrai. Ouais, je l'ai acheté à Nike Store. À 20 euros, les gars, si vous voulez, bah c'est normal, parce que voilà, en Turquie. Et il y avait les maillots. 1 euro, c'est 7 télé, ça veut dire c'est 7 euros là-bas. Il y avait les maillots des autres équipes pas chers. Non, non. Non, rien à voir. Soda, je crois. Je sais pas, je suis pas allé voir les autres équipes. J'ai des ceintures. Déjà, quand t'es sorti, sachez que mec, je suis mort. Merde! Oh là, je suis mort. Tu sors du souffle là. Oh, je cherche une boîte. J'ai une boîte élevée, Idriss, je la ramène. Tout droit de sortie de la boîte, les gars. Elle est belle, elle. Hein. Mais montre un peu les motifs.
Mais là, de bien près, parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment stylée. Gucci, Gucci Gang. Voilà. Ouais, Gucci Gang. Ouais. Par contre, ça, c'est une vraie aussi. Je l'ai acheté à... À Galerie Lafayette. Franchement, à Istanbul. Je la kiffe de ouf, celle-ci, vraiment. Maramé. Ah, oh, mais après, tu vas me dire que t'es pas un gros... Quoi? Oh! Mais j'avais zappé. Oh, oh, mais je suis chaud. Oh, vas-y, viens là, je te fouette, oh, mec. C'est pas possible. Oh, Viens, montre à la caméra ma ceinture que j'ai acheté pas mal. Hein. Non, mais là, excuse-moi pour la vidéo, mais là, faut vraiment. Non, prends, tu vas le péter, frère. C'est une ceinture du bled. Non, c'est une ceinture du bled. Je respecte. Putain, c'est dur à. Regardez, il a acheté une ceinture. Regardez, ça, c'est celle que j'avais sur moi à l'instant. Bah, en plus, t'as pu comparer tout carré et tout, non? Bah, on a, on a pu comparer. Voilà. Alors, en gros, il y en a une officielle. On constate que celle-ci, elle est plus foncée. À moins qu'après c'est pas le même truc modèle. C'est pas exactement le même modèle je pense. Mais bon, en fait si ça doit être le même modèle. Regarde derrière. Bah trouvez quelle est la vraie. Trouvez quelle est la vraie. Ah mais je suis chaud, tu prends la même ceinture que moi. Putain je veux bien que t'as mis la même ceinture. Et celle-là c'est la Hermès. Ah le H. 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 Ah elle est plus carrée. Et voilà, ça c'est une basique, c'est pour les mariages et tout, je mets un gros H. Genre c'est un H, t'as compris? Ouais. Un halal. Bon les gars, c'est bon? Ouais, yes. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je tiens à dire un truc en tant que juge, ouais. Pour moi il n'y a pas match. T'as perdu mon poste. Merci. Mais les abonnés mais, ont un autre mais si j'avais participé à votre jeu, je vous aurais pété tous les deux. Mais enfin, Faïs, par contre, il serait revenu avec trois valises. Ouais, pense. Ouais, je pense avec trois valises. Je serais revenu avec que des bons trucs, par contre. Parce que quand même, mais t'es revenu, je m'en bats les couilles, ta gueule. C'est avec l'année prochaine. Ah, ça, il l'a bien aimé, c'est qui l'a acheté pour lui l'année prochaine. Attends, il dit ouais, machin, je suis ce machin. Écoute, c'est moi, je les ai conseillés comment ils s'habillaient. Depuis 2012. Non. Mettre ça avec. Enfin, c'est bizarre un peu, mais bon. Depuis. Les gars, depuis l'âge de 5 ans, je les ai fait évoluer comme des Pokémon. Je les ai fait habiller tout. Alors, ne les écoutez pas, ok. Voilà, ça partage un peu nos vêtements. Mettez en commentaire, ben. Allez, j'ai pas choisi gris parce que j'ai le même t-shirt aussi. Hein. Si. C'est parce que je lui ai ramené, il est content et du coup je lui ai dit. Regarde, la vidéo. C'est Yohan qui me l'a ramené. Il a pris le même. Attends, mais toi, il prend le même shirt. C'est Yohan, je vote pour Yo. Je change mon vote. Ouais, la tête de moi, il voulait rien prendre et c'est moi, je lui ai dit, mais viens, on prend un truc pour Faïs et tout. Oh, trop nerveux. C'est pas qui. Fais-tu, celui-là, les gars. La tête de moi. Oh, mais regarde, il prend la même ceinture que moi, il prend le même ensemble Givenchy que toi. Frérot. Il y a un moment, il y a. C'est normal, il savait qu'il allait avoir la vidéo, il savait que j'allais être jury, il savait que j'allais voter pour lui. Givenchy juste pour qu'il vote pour lui. Il a pris des autres trucs qui puent la merde, il les a pas ramenés pour pas que je. Non, la tête de moi, j'avais plein de trucs à ramener. Ah, je voulais vous dire, j'avais d'autres trucs à ramener et péter sa mère et je voulais pas t'humilier devant tout le monde. Du coup, bah voilà. Pas de soucis, les mecs, donnez votre avis en commentaire. Moi, c'est pas grave, tant que ça me plaît à moi, y'a pas de soucis. T'as raison, mais faut plaire aux autres aussi de temps en temps. Moi, je m'en bats les couilles. Bim. J'ai la base et la timifie les gars. Ciao.